Coucou les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Et ben, je vais vous montrer mon petit kimono. Alors, je lui ai pas fait finalement de ceinture, mais vous pouvez lui faire une ceinture. Je lui ai pas fait de ceinture parce qu'en fait je l'ai fait vachement court et en plus de ça, j'ai pas du tout la taille marquée. Donc, ça donne envie quand même de lui faire une attache. Alors voilà, cette merveille. J'ai été assez rapide, enfin ça a été assez rapide en fait, hein, pour être honnête. Alors, je lui ai fait des petits picots sur les manches, un petit peu évolué en fait. C'est des picots que j'ai inventé comme ça. Bon, si ça se trouve ça existe déjà, mais bon, c'est pas des gros picots, c'est pas des petits picots, c'est des moyens. Et à un moment donné, j'ai hésité, je me suis dit, je vais le faire tout autour, là, mais en fait, non, j'aime trop, en fait, les lignes ici, là, comme ça, là, blanches, que l'on retrouve que devant, hein, parce que derrière, c'est que grani, et voilà, je l'adore. Alors, il fait très très chaud, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, j'ai mis mon pull, excusez-moi, je pars comme ça. J'ai mis mon pull avec juste un soutien-gorge en dessous et c'est très léger et ça va, ça donne pas chaud. Et donc, vous savez, je vous avais parlé de la semaine de défi, donc j'ai reçu la Bravissimo. Donc je vais l'ouvrir, je vais vous montrer les couleurs que j'ai choisies pour le cardigan, pour le défi de la semaine de l'automne. Les amis, j'avoue que me mettre dans l'automne là avec le ciel bleu, la chaleur qu'il fait, j'ai du mal. Voilà, j'ai pris des couleurs comme ça. J'ai pris un peu de violet. Hop là. Bon, elles sont emballées. J'ai pris violet et couleur brique. Couleur moutarde. Forcément. Ça, c'est de la couleur. Elle s'appelle marmotte gris. Mais il me semble que j'avais pris d'autres couleurs. J'ai pris une petite couleur chair, comme ça. Je voulais une couleur claire, mais je pense que je vais partir sur du gris. Et voilà, j'ai pris du gris foncé. Je vais quand même vous l'ouvrir parce que c'est pas pareil. Et gris foncé, celle-là c'est un petit peu couleur peau, gris clair là, moi j'adore cette couleur là, vraiment j'adore, vraiment couleur citrouille, couleur rouille, et la moutarde aussi pour l'automne, c'est super, et le violet aussi, ça se marie très bien, c'est des couleurs complémentaires. Et alors la marmotte, je la préfère à la gris, au gris, donc je pense que je vais plutôt utiliser la marmotte parce que elle a la couleur de la marmotte. C'est comme un gris chaud, voilà. Un marron clair. Et je crois que j'ai pas pris de marron foncé, mais bon, je pense que on est pas mal là. Et je voulais vous parler d'un produit qui est vachement bien pour celles qui aiment faire les sacs. C'est ces trucs là, c'est comme une doublure en fait, c'est assez épais, comme de la feutrine assez épaisse, c'est parfait pour ne pas faire de doublure justement, et j'aime bien la, en fait vous voyez la forme, elle est vraiment parfaite quoi pour un sac carré, le genre de taille que moi j'aime bien en plus. Et on n'a plus qu'à habiller avec une jolie anse, une bandoulière. Et ça, c'est, je crois que c'est une nouveauté chez Tessiland. Je voulais vous en parler parce que je ne sais pas si ça va rester longtemps en stock. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est très rigide, c'est con. C'est super mignon. Je ne sais pas s'il y a d'autres formes, il y a d'autres tailles, mais il n'y a pas d'autres couleurs. Sinon, vous vous souvenez le pull que je voulais faire en top-down, finalement, les petits ronds, je les ai transformés en carrés, mais noirs, vu que ça va se fondre, en fait, vu que le reste va être noir, vous voyez. On aura comme un top-down ici, rectangulaire, où on verra les fleurs seront bien mises en
en évidence. Hein. Et ensuite, vu que c'est, j'ai déjà fait un travail avec une blouse comme ça l'année dernière, où j'ai fait un col en carré, en granit, et ensuite, je suis partie en top-down, c'est-à-dire augmentation dans les quatre coins. Et du coup, on va jouer un petit peu comme avec les couleurs, ça va faire un petit peu trompe-l'œil. Vu que le reste va être noir, un peu résille, ben, les fleurs vont ressortir et c'est moins casse-tête, beaucoup plus facile pour tout le monde, pour moi et surtout pour vous. Parce qu'au final, quand je crée quelque chose, et j'essaye vraiment que ce soit le plus facile possible, en fait, pour que vous puissiez le faire et pas... voilà. Voilà, j'ai pensé à cette astuce-là. Je trouve que ça va, enfin, j'espère que ça va être joli. Hein. C'est un pull qui va être assez loose, comme tout ce que je fais, hein, avec des manches longues. Donc, peut-être que sur les manches, mais ça, vous allez peut-être me le dire en commentaire si vous avez envie, par exemple, des manches assez larges, comme ça, avec des granits sur les, sur la. Sur les poignets, peut-être non, les granits en bas, non, puisque comme ça va être un point assez, enfin, ça va être un point résille, je pense que si je mets des granits en haut et des granits en bas, ça va alourdir, en bas du pull, au niveau de la ceinture. Ouais, je pense que je vais peut-être faire un point fantaisie sur le bas. En finition, mais sur les manches, je me disais que ça pouvait être pas mal. Je suis en train d'utiliser, bah, comme vous savez, la Frida, c'est un fil super léger, les amis. Hein. Et les couleurs sont très sympas. Hein. J'ai une abonnée qui m'a dit, mais ça fait très Frida Kahlo, j'aime beaucoup. C'est vrai, ça ressemble un peu à Frida. Sinon, j'ai reçu aujourd'hui un fauteuil pour mon bureau. J'ai acheté ça sur Amazon. J'ai pas pris le moins cher, les amis, hein. Mais je l'ai pris d'une couleur vert pastel et je vais le monter là maintenant. J'ai vraiment besoin d'un fauteuil pour travailler parce que, comment vous dire, voilà, j'utilise une chaise Ikea, mais voilà la chaise que j'utilise pour faire mes montages et pour faire mes tutos, c'est plus possible. Et surtout que comme j'ai un petit peu réorganisé ma chambre, bah là maintenant j'ai la place pour mettre un fauteuil, voilà, un fauteuil confortable pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, j'ai fini mes photos, j'ai tout fait pour la présentation du pull qui s'appelle Devil. Et comme le diable. Parce que je me suis inspirée d'une chanson d'Elvis, oui, qui s'appelle Your Devil, quelque chose comme ça. Et j'ai fait un petit reel un peu sympa, ou, enfin, un peu sympa. J'ai essayé de faire quelque chose d'un peu sympa, où je suis habillée en blanc, puis après je suis habillée en rouge, enfin, vous verrez. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez, j'ai essayé de m'amuser un petit peu. Voilà. Si je peux, je vous le mets là, mais je peux pas le mettre le son. Et c'est le son qui fait tout le charme en fait de la musique, enfin de la vidéo. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ah oui, j'ai eu, je sais pas si vous connaissez la plateforme WhoSkill, dans laquelle je propose des comme des sortes de masterclass payantes. Donc j'ai eu Enzo au téléphone avec qui je travaille là-dessus depuis quelques temps maintenant. Et vu que la plateforme elle a évolué, il m'a fait une présentation des nouveaux outils. Et dans les nouveaux outils, on peut faire sur la plateforme, on peut faire des lives, on peut mettre des vidéos à disposition, plus des masterclass, on peut faire des packs. Qui serait très intéressant pour les personnes qui, par exemple, ont besoin d'aide sur certains tutos. Voilà, donc je vais me pencher là-dessus pour travailler un peu plus là-dessus cette année. Et puis voilà, c'est. Je me suis pas encore plongée là-dessus, vraiment, vraiment. J'ai eu un cours, j'ai fait un cours une fois. Pour une personne qui était très très débutante, ça s'est très bien passé. J'ai pu utiliser la plateforme et voir comment que tout fonctionne. En fait, c'est hyper bien pensé. Je ne sais pas si vous connaissez Artesan,
Mais c'est un peu comme Artesan, le site. Il propose plein plein de choses pour les gens qui sont très débutants, hein, ou des gens qui ont envie de passer du temps avec moi, ou des gens qui se posent des questions, ou qui ont des problématiques sur des ouvrages, par exemple. Donc voilà pour les nouvelles. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais monter la chaise, le fauteuil, les amis, et puis je vous retrouve après. Amis. Ah, un fauteuil. Alors, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir faire un plaid pour le mettre par-dessus. Parce que je trouve que c'est très. Enfin, j'aime bien la couleur. Hein. Elle va avec. J'en sais rien. Avec la couleur de mes murs là. Mais ouais, j'ai bien envie de faire un petit plaid pour me le mettre par-dessus. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a un dossier ici là pour le bas du dos. Ça, c'est pas mal. Et voilà. Allez les amis, je vais me remettre au travail. Ah oui, vous voyez derrière là le compartiment où je mets mon casque. J'ai bien envie de faire une petite déco pour la chambre et ranger, faire comme un. Ouais, un petit truc de rangement. Vous voyez, il y a trois compartiments. En fait, je vais me servir de la base. Qui est couleur écrue et j'avais envie de faire du tapisserie fraise, faire ou cerise, hein, je sais pas encore, fraise ou cerise ou des petits pumpkins, hein, des citrouilles, pourquoi pas. Voilà, bon, je vous laisse les amis, je vous dis à plus tard.
Coucou les amis, nous sommes vendredi, petit café du matin. Alors, il commence à faire froid, ça y est, j'ai l'impression que les températures descendent. Je voulais vous montrer où j'en étais dans le pull, voilà. Donc, vous voyez le point résidentiel dont je vous parlais. Donc ça va être comme ça, avec des grandes manches. Et donc le principe... Si je le pose comme ça, si je vous le pose comme ça ouvert, voyez, coucou, on fait des augmentations dans les quatre coins, comme un top-down classique qu'on a déjà fait sur la chaîne. Ensuite, lui donner du volume, et je pense que je vais faire des granits sur les manches. J'ai bien envie quand même de rajouter une petite touche de couleur sur les... sur les poignets, mais pas sur le bas, comme je vous disais plus tôt dans le vlog. Voilà, là je suis en train de faire ça. Ça va très vite, le point résille. C'est un point résille, mais comme ça, quadrillé. Je sais pas si j'ai encore le temps de changer. Je suis pas convaincue du point résille comme ça. Je me demande si je vais pas le faire plutôt en arc et. En le faisant en arc, c'est ça, je vais avoir un résultat un peu plus serré. Parce que là, j'ai peur que ce soit trop ouvert. Ouais, je vais faire ça ce matin, je vais changer. Je ne l'ai pas essayé, mais je sais qu'après, ça va s'écarter. Et vous voyez, ça a beaucoup trop s'écarter. Déjà, ça s'écarte. Voilà, donc je vais commencer à faire ça ce matin. Et puis, c'est tout les amis. Après, je vais commencer un peu à réfléchir à l'automne. Je vous dis à demain, les amis. Demain, je vais commencer à monter le vlog. Et puis, je vous montrerai un petit peu l'avancée du pull. Mais en tout cas, voilà. Pour mercredi, vous aurez le joli kimono. J'ai mis une ceinture, là, ce matin. Une ceinture très haute, comme vous avez pu voir, je vous ai montré un petit peu avant, marron. J'ai pas fait de ceinture dans le vlog, mais c'est vrai que c'est plutôt joli porté avec une ceinture haute. Voilà, vu qu'il fait froid, j'en ai profité pour le mettre. Et je vous dis à plus tard.
Eh bien, je bois mon café. Nous sommes samedi et j'ai passé tous les derniers jours là à me prendre la tête à réfléchir. Donc, depuis le début de ce vlog, je vous montre mon petit pull, la Granny, comme ça, qui est très joli. Mais le problème que j'ai, c'est que nous sommes le 1er septembre, aujourd'hui dimanche. Bon, moi, pour moi, on est le 31, on est la veille. Je vais clôturer le vlog, mais sans vous parler un petit peu de mes derniers... des derniers jours, là, de réflexion. L'équinoxe d'automne, c'est le 22 septembre. Donc, le 22 septembre, nous sommes officiellement en automne. Donc, quelle que soit la météo, qu'il fasse chaud ou froid, à mon avis, il fera pas très très chaud. Bon, ici, dans la région parisienne, il fait frais. Il fait frais, le soleil est parti. Je vous ai montré des fils que j'ai pris chez Tessiland pour l'automne. Et j'ai une boîte que, vous savez, je range mes fils d'hiver et je mets mes fils d'été. Et là, faudrait que je fasse ça, mais il aurait fallu que je fasse ça bien avant. Parce qu'alors là, je pense que je vais le faire au fur et à mesure, c'est-à-dire vider des cases d'été. Les mettre dans les boîtes et mettre des cases d'hiver. Pour moi, l'hiver, c'est automne-hiver, c'est pareil. Donc là, j'ai descendu une grosse boîte géante de Bravissimo que j'ai au-dessus d'un placard. Et du coup, j'ai retrouvé d'autres coloris. Je me suis fait une boîte, voilà, comme ça, avec les couleurs automnales, que je pense qu'ils sont d'automne. J'ai pas mis la couleur crème, mais c'est... Bah, je sais pas, je trouvais que la couleur crème, là, pour le coup, celle-là, c'est une couleur crème, enfin, beige clair, en fait. Celle-là, c'est une beige un peu plus foncé. Voyons, on est dans les beiges, les verts un peu vert bleu, les verts couleur bois, le orange, parce que les feuilles, quand elles commencent à changer de couleur, elles partent... elles font toute une traversée de la colorimétrie qui est magnifique, du vert à la couleur terracotta, couleur rouille, à l'orange, au jaune, ça part aussi dans les moutardes un peu, jaune clair, voyez, voilà, vert foncé, vert olive, vert, voilà. Et, voilà, c'est un petit peu, pour moi, c'est un petit peu tout ça, la couleur, les couleurs d'automne. Et je me suis dit, je suis très en retard, je ne vais pas pouvoir faire le pull, Granny, là, pour l'instant. Ça ne sert à rien de vous proposer quelque chose d'été, là, tout de suite. Je me dis que je ne vais pas avoir le temps, du coup, pour enchaîner la saison d'automne, qui est une de mes saisons préférées, comme vous savez, j'adore l'automne. Et j'ai toujours plein d'idées à faire, des choses que j'ai envie de faire et des semaines de défis que j'ai envie de faire et voilà. Donc j'ai commencé à faire des tests avec la Bravissimo sur les granits dont je vous parlais dans le dernier vlog et voilà un petit peu ce que ça a donné et à ces granits qui sont très géométriques voilà. Il m'en manque un quatrième, je voudrais faire quatre granits puisque c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi c'est l'assemblage et les tout ce qui est point élastique, poche, si on a envie de mettre des poches, voilà, tout ce qui est détail, c'est le dernier jour, le vendredi. En termes de taille de cardigan, j'ai envie de faire quelque chose de long, d'un peu long, pas long, mais d'un peu long, voilà, avec un point élastique. Bien sûr, des boutons. Donc, il faudrait que je trouve des boutons. Mais vous verrez ça dans le prochain vlog. Je vais un petit peu plus détailler puisqu'on sera déjà dans la semaine de préparation, dans la semaine... la semaine de travail de la semaine du défi. Oula, je perds mes mots. Du coup... il n'y aura pas que des granits comme ça, il y aura 4 granits géométriques, mais il y aura également des petites citrouilles que je vais vous proposer pour coudre au-dessus. Alors, il me faut 4 éléments, j'ai pensé à la citrouille, au gland, à la feuille d'automne, qui est une feuille d'érable, bon, c'est un petit peu comme ça que l'on se le représente, et...
Je pensais aux champignons, mais je pense que ça va être chargé. Là, si j'ajoute du rouge avec du blanc, je sais pas. J'ai envie de faire quelque chose d'assez fantaisiste, mais en même temps de sobre. Donc, le gland, c'est parfait parce qu'il y a du beige et du marron. La feuille, c'est parfait parce que c'est du vert. Et je vous dis quoi? La citrouille, c'est aussi parfait parce que c'est cette couleur-là. Donc, on aura juste à rajouter une petite tige, enfin, plus élaborée, bien sûr, hein. Vraiment, la forme de la citrouille, là, c'est un cercle tout bête, mais en lui rajoutant une petite tige et une feuille que j'ai envie de faire en tournicotis, là, en tourbillon. Voilà, quelques petits éléments comme ça, au cardigan, un peu fantaisiste, mais qui restent dans les tons, dans les tonalités, pas rajouter des couleurs extra comme le rouge, même si ça j'ai très très envie, mais autre chose que le champignon, je ne sais pas, mais alors je vais vous poser la question. Donc un élément à plat qui vous fasse penser à l'automne, juste un élément, si vous pouvez me le mettre en commentaire, vous serez très sympa. Voilà, les amis, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus pour le pull. Je vous le ferai, le pull, pour le printemps prochain. Parce que là, ben, on va rentrer dans les, dans les, dans les, dans, voilà, dans le froid, dans le frais, dans le. On va avoir envie de se blottir, dans des. Ben, des choses un peu plus chaudes. Donc, j'ai pas. Malheureusement, j'aurais dû le faire avant, mais bon. On peut pas tout faire, hein? On peut pas tout faire. J'espère que ce vlog vous a inspiré, les amis. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!